en question. President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now in session. And I give the floor to Judge Lavens to put question to the witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Nous étions arrêtés ce matin alors que je vous posais des questions à propos de This morning we stopped when I was putting questions to you about Lac Dari, Nunchia's nieces. Ce que vous m'avez dit, if I understood properly what you told me, you told me that Lac Dara, alias Tan, avait survécu. Had survived. Est-ce que j'ai bien compris? Did I understand you properly? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? And can you tell us why she was not executed? Est-ce que c'est sur des instructions de Nunchia? Was this because Nunchia had ordered that, or was it because you considered pouvait être utile en that tant she que could médecin? Be useful as a doctor? Witness, Dara survived, but Lac Dara not up to 1980s. Mais pas plus tard que she jusqu'aux died années 1980. On the way she pled. Elle est morte le jour so, de sa fuite. Survived the regime. Elle a donc survécu au régime 1979, but did not jusqu'en 1979, mais elle n'a pas vécu period, jusqu'aux 1980. Années 80. She died while elle running, est morte while fleeing. En prenant I suite. Used her for medical treatment je l'ai together with pour Date dispenser and des soins médicaux. Moon. Au même titre que so Date there and were Moon. No instructions from Uncle Noon. L'oncle Noon n'a donc pas donné d'instructions. That is why there was one time I made this speech about ainsi, ownership. Un jour, and Mom Nai made note of that. For Mom example, a dit ce que j'avais ownership dit moi-même sur la propriété. Had something to do the relation with the family. And I recall that you, Your Honor, asked vous-même, me juge, about the incident. And Mom Nai made note about Sat, the comrade Sat, not Ton. A parlé du camarade Sat et pas de Ton. And I do not know in detail about the individuals et I have just discussed. Je ne connais pas de détails sur ces gens. Non. Par contre, est-ce que however, vous savez si do sa you know sœur, if her sister, Lac Vari, alias Nan, leur mari, and their husbands ont été tués. Were killed. Et est-ce qu'ils avaient des enfants? Est-ce que les enfants ont également été and exécutés? Were the children also executed? The two siblings, I mean, comrade Nan and Ton were pregnant. Sœurs Nan et Ton étaient enceintes. And they were smashed by S21, and Nan was pregnant at a time et while she was smashed. And Ton and another woman had a child with her. Également été une autre femme avait avec elle un enfant. Sad and another individual died already. Sad et une autre personne sont mortes. Bien. Est-ce que vous souvenez si Nunchia a discuté avec vous et a discuté de
spoke to you about the existence of traitors in the family. Est-ce qu'il a parlé, par exemple, d'un, did he speak, for example, about his uncle, Monsieur Eng? His uncle by the name of Monsieur Eng. Witness, Your Honor, Nun Chia never discussed Siu Pain with Nun me, Chia discussed n'a parlé de Siu Pain about an individual named Siu Pain with Siu me, Pain. Not at all. Jamais. Est-ce que les arrestations de Lac Dara et Lac Vari connected tentative d'empoisonnement to des dirigeants de Kampuchea démocratique. To poison the leaders of Democratic Kampuchea. I do not recall that, Your Honor. Je ne m'en souviens pas. Bien. Fine. Nous allons passer à now, un autre thème let's move on to another topic le fonctionnement de S21 regarding et les effectifs de S21. S21's operations and staff. And I would like to provide a document to, which is document E3/1848, that is. ERN en Khmer. Khmer ERN. 00 16 24 64 76 English 00 19 3064 French 00 22 90 39. Et si on peut également mettre ce document and à can l'écran. We please display this document on the screen as well. Ce document s'intitule This document is titled Effectif des unités à nourrir stationnées dans la région of, de Phnom Penh units to feed pour who are stationed in the Phnom Penh area for March 1977 and this document is dated 7 April 1977. Il y a and, un décompte pour l'ensemble des divisions et régiments. Of all of the divisions and regiments. Et il y a deux lignes qui m'intéressent. And there are two lines I'd like to focus on. Lines 10 and line 13. La ligne 10 line 10 s'intitule Bureau is entitled S21 Office. Et on y voit and we see en dessous below de la colonne effectif total, the total number un column, qui a est figure de 2327. On a and, en dessous, et below, c'est séparé, and this is separated, la ligne 13, we have line 13, qui se lit en français par which effectif des personnes is entitled de S21 the number of people at S21 to feed. Et là, il y a and un here there is de a figure 1300. Of 1300. Alors, so, est-ce que vous avez déjà vu ce did document? You ever see this document, first est-ce of que all? Vous pouvez nous expliquer can you explain en to quoi us consistent ces chiffres? What these figures represent? Your Honor, Monsieur le Juge, in the previous proceedings, there was a lors du procès précédent, better list. La liste était of meilleure. S21. La liste de S21.
And I cannot make a distinction between this document and je ne peux pas that, faire the une previous distinction document. Entre ce document et le précédent. And concerning the forces to who went to collect concernant the rice, les forces included staff members from S21 and those from the field or from SRAI. Et then the figure here, ici, the figure here is it's not 2,000 but 600 to my reading. 2000, mais bien I think 600, it is 600. D'après ce que je lis. 600. Oh no. 2,300. 2,317 people or prisoners. So I cannot explain you on the figure. Je ne peux pas vous donner d'explication sur ce chiffre. Alors, en ce qui concerne well, la version française the French de ce document, of this document pour la ligne 10, at line 10, est-ce que vous voyez la ligne 10, can you see il line y a marqué 10? On line 10, S21. It is written down S21 office. Et là, je vois and un here effectif I see total a de total number 2,327 people. Est-ce que c'est la même so chose que vous lisez that the same thing that sur you see, votre document in your document? The same, Your Honor. C'est le même, Monsieur le juge. Maintenant, à la ligne 13, il y a marqué en français now on line 13, effectif in French, des personnes it is written, de S21 the number à mourir, of people at S21 to feed, 1,300. Donc on a deux séries de chiffres pour S21. Different kinds of numbers for Est-ce S21? Que vous pouvez nous donner des explications. So est-ce que vous savez à quoi ça correspond? You know what these figures correspond étant précisé to, que il est clair that, en lisant ce document qu'il s'agit de chiffres qui sont distincts. These are distinct figures. On a une première addition pour addition les 12 premières unités for the 12 first et en dessous, and below that, on a rajouté les effectifs des personnes à nourrir pour S21 et on a was un added. Total and général. We have a general total following that. Donc, so, il est clair pour moi qu'il y a that, deux there are chiffres distincts. Two different kinds of figures involved here. Et est-ce que vous avez des explications? And can you provide some clarification on that? I can understand your statement, Your Honor. Je comprends ce que vous dites, and Monsieur le Juge. I could not read clearly line number 10, but now I can figure out 10, what it is. Je parviens à déchiffrer. But still, mais malgré tout, cannot tell you whether the number in line 10 is the total si number la ligne 10, or together with the prisoners. Total, incluant les prisonniers. For line 13, à la ligne it is 13, about the people to feed il s'agit at des gens à nourrir à S21. And I believe the figures 1,300 refers je pense to que le the combatants and cadres. Renvoie aux combattants et aux cadres. And as for prisoners, quant aux prisonniers, who were at field or SRAI, qui était consisted sur le around terrain, 1,467. This is all I can explain the figures to you. Voilà ce que je puis vous dire concernant les chiffres. Donc, selon vous, so according to you, la ligne 13 pourrait correspondre au nombre de prisonniers to the number of prisoners et au personnel and travaillant to the staff à S21 dans Phnom Penh, in Phnom Penh. Sur le site du lycée Ponya at the Ponya Yat High School site. La ligne 10 and line 10 peut-être maybe pourrait correspondre corresponds aux membres de S24 to the members of S24, that is to say those who were working in the rice fields. Excuse me.
khom som banchak ma dong tiet. Let me clarify the matter once again. Je vais à nouveau préciser. Line 10. À la 10e ligne. To my understanding, I would like to shed light on the figure 2760 included the staff members both cela at Phnom Penh and at the field of strike. À Phnom Penh et à la rizière. And line 13. Et à la ligne 10. It states the people to feed at S21 consists of 1,300. 1,300 personnes. So I can tell you that the staff members both at the S21 and from the field together is 1,300. Au total, ça fait 1,300. You seem to be inverting lines 10 and 13. La ligne 13, line 13, c'est la ligne qui contient le chiffre 1,300. La ligne 10, telle que je la lis en français, contient 2,327. Lists a figure of 2,327. Donc, est-ce que vous n'avez pas inversé la ligne 10 et la ligne 13? Did you maybe invert line 10 and line 13? I am not confused. No. One is the total number of total. Prisoners together with the staff les members, and I believe the staff members, the prisoners, to be fed at the time. Je pense qu'à l'époque, were more than the staff à members. Étaient plus nombreux que so les again, membres du personnel. The total number donc je le répète, of le nombre total prisoners together with the staff members. Le personnel, is 2,767, and as I told you, there is another list comme je l'ai dit, shown to me y a une autre during liste que l'on m'a montré. During the proceedings in case 001, the list make clear distinction between the number of prisoners and entre le nombre de prisonniers staff members. Et so I am a little d'employés. Bit confused with the figures shown in je this list. Je suis donc un peu perplexe face aux chiffres de cette liste. Bien, on y reviendra le cas échéant. Fine, on va vérifier s'il y a d'autres listes au dossier. When we check to see if there are other lists on the case file in that j'aimerais regard. J'aimerais que nous passions maintenant nous now, examinions like un autre document. To move on to another document. Maître Copé, je pense qu'il aurait Copé, le temps de poser des questions au témoin. J'aimerais the time to put questions to the witness there. So I'd like to continue with my examination. Thank you. J'aimerais que nous examinions maintenant like le document document, E3/83/86. Est-ce qu'on peut remettre so can we please ce provide, document this document to the witness à l'accusé. Alors, ce document existe au dossier sous les this ERN suivants. Document Khmer, falls under the following ERNs. 4x0, 26, 37 à 40. En anglais, 00, 52, 16, 31 à 34. En français, 00, 53, 27, 33 à 36. Est-ce que vous avez déjà vu have ce you document, seen monsieur this document, le témoin witness? Thank you, Your Honor. Merci, this document was shown to me during the investigation stages and also in the proceedings of case 001. This is 001. What I can tell you, let me add, j'ajouterai une chose. Every time the document shown to me, I à chaque fois said me montre I un document, confirmed that I recognize this document and this j'ai document belongs to le S21. Reconnaître et j'ai confirmé que c'était un document de S21. Êtes-vous l'auteur de cette circulaire? Are you the author of this circular? Akun,
Ho was the one who wrote this circular. It was not me, Ho, in fact. Yeah. Je reviendrai sur la circulaire. I will get back to the circular later on, but what I'd like to focus on for the moment is the last page of this document. Because on the last page of this document, we see figures and indications regarding the number of people. Est-ce que vous savez qui a écrit cette page? Qui est l'auteur de cette page? I do not know who wrote it. Merci. Je ne sais and pas if I say it is horse writing, cela. I think it's not. Je ne pense pas que ça soit l'écriture de Hor. But to my observation, this d'après mes observations, list represents the cette liste situation at S21 about the number de la situation of guards within avec S21 and number of staff from messenger unit les effectifs and also de it's consistent with the number in relation ceci to child unit. Également however, pour ce as qui I est said, I cannot tell you who wrote this last page of the document. Mais je ne sais pas qui a écrit la dernière page. And as for whether the figure is accurate based on the numbers of staff members at S21 at the time, I cannot tell you whether it reflects si the exact number of staff members at S21. Sont exacts. Ce que je lis, c'est what que I read les here effectifs, is that, on ignore la date à laquelle ce document a été fait, mais les effectifs sont beaucoup moins importants numbers are much que lower les chiffres than du précédent document. Is, on a pour listed les forces in the previous de document, sécurité when we look, for example, 143 at, personnes. The security unit staff, we have 143 people. Économique, for 46 personnes. The economic unit, pour 46 les people. Messagers, for the messengers, personnes. 62 people. Pour for le secteur de l'unité des enfants, the children's on unit, a 76 personnes. We have 76 people. Donc, so, en gros, on a basically autour speaking, de 340 this amounts to personnes. A total of about 340 est-ce people. Est-ce que cela vous paraît refléter so, la réalité des effectifs de S21 the ou est-ce que reality in terms of the number of people at S21? Vous en souvenez? Or do you remember that or not? Thank you, Your merci, Honor. Merci, Monsieur le Juge. Let me emphasize that S21 includes Phnom Penh and also Srand Field. Phnom Penh et la rizière. So S21 includes Phnom Penh and the field, not 23 or 24 as others said. Et non pas and this list, ou 24, comme the number, represents the combatants or cadres within Phnom Penh. That's why you could see the number is lower c'est than the previous document. Les chiffres sont moins élevés que dans le document précédent. The number of staff members of Phnom Penh amounts to Phnom Penh, les effectifs more than 300 sont de plus de in 300 total. Personnes au total. 366. 366. Read from the document. D'après ce que je peux lire dans le document. Bien, donc je précise qu'effectivement ce document n'est pas daté. Let me j'aimerais specify maintenant qu'on again examine that this document is not dated. La circulaire. And now I would like to look at the circular itself. Donc vous avez dit qu'elle so avait été so you said that the circular had Or. Been written or drafted by Hoare. Et en particulier, and il y a un point 6 there is qui concerne point
I would like to look at point la six. La première partie qui concerne le règlement de la surveillance des ennemis. Concerns d'une façon générale the dans toute cette circulaire, surveillance of the enemies. On parle d'ennemis speaking, in the circular, et jamais de prisonniers. People are described as enemies and never as prisoners. So can you confirm that at S21, prisoners were usually called enemies? That's how they were called, enemies, instead of prisoners. The word enemy was widely used, and le that word refers largement to employé. Prisoners who were arrested, who had been arrested and had to be smashed. Et so être those who anéantis. Entered S21 never les gens returned à S21 back home. Ne they were enemies. Jamais chez eux. C'était des ennemis. Je vais lire le point 6 de cette circulaire. Point six in a circular. Si les ennemis If tentaient de forcer les cadenas, to break the locks, de forcer la serrure des portes, to break the locks on s'ils the doors, tentaient de se suicider par pendaison, to commit suicide by hanging de themselves, se couper les poignets, or to slit their wrists, de s'égorger, or to cut their throats, ou de faire mine d'avaler des vis, to pretend to swallow il serait screws, alors impératif then it will be de prendre immédiatement des mesures to immediately d'urgence. Take emergency measures. Est-ce que so, la crainte de voir des was the fear prisonniers of seeing s'évader prisoners ou de escape, voir des prisonniers or of se seeing suicider prisoners commit suicide, était une préoccupation majeure à S21? Was this a major concern at S21? That was the main concern. That was the main concern. Let me clarify that. At S21, there was a case that one prisoner could make an escape at the time. Mom Nai Ho and I had gone to the rural area to ask for hens and chicken. Pour aller chercher and an individual from Division 70 could make an escape back to membre de la his own division. 70 and a peu after that, the sa Division 70 sent ensuite, back la division that individual a renvoyé back to S21 through General Staff. En passant par l'état-major. So we were warned from that time onwards not to go out altogether. There should be one person on standby. Au moins this une is one incident. Tous ne devaient pas partir en même temps. Voilà un incident qui a eu lieu. There was another case. Il y a Ajakor took the gun and shot. Ajakor s'est emparé and another une arme case feu was about utilisé. The event that ensuite, Rung took M16 il y a eu la and fois où Run a shot pris un M16 the guard. Et tiré sur un and gardien. Susupan, the prisoner, Susupan, le the deputy, Division 170, adjoint du chef while de la division he was in detention, 60, he swallowed a screw from the window, and he was à la fenêtre. He got abdominal pain at the time, so il I called eu des douleurs in abdominales, a doctor or medic to conduct the surgery to get the screw out. Et récupérer la vis. Su Qing, who was the Su Qing medical doctor était médecin of a heart disease, was detained des maladies at S21. Il était en détention S21. And that female prisoner Ching got femme, the Ching, razor and cut open s'est emparée d'un rasoir her skin. She was pregnant se at the time. La peau. Elle était enceinte à l'époque. So we were warned after the incidents happened. Après ces incidents, nous avons reçu un avertissement. And this is why I said it was the main concern c'est pour cela at que S21. Je dis qu'à S21, c'était la principale crainte.
Alors, nous avons au dossier effectivement un certain nombre de documents qui font référence à des suicides, des tentatives de suicide. Je relève, par exemple, que dans le document E3/31/81, alors je n'ai que l'ERN en anglais, il s'agit de l'ERN 00-72-89-80, il est fait mention d'un détenu, plutôt d'une détenue, Pen Kim, du régiment 152, qui s'est suicidée par pendaison. Who committed suicide by hanging herself. Est-ce qu'il y a eu de nombreux cas de suicide? Were there several cases of suicides? Réponse. If there was a case of a suicide, then a report had to be made to me because that is strange. On devait me faire rapport de tous les cas de suicide, car c'était étrange. Personally, I never heard of any suicide committed at S21 besides de cas de suicide à S21, outre l'incident au cours duquel un prisonnier avait avalé une vis. Il y a également eu l'incident où un prisonnier s'est ouvert l'abdomen, s'est ouvert le ventre. My main concern was to prevent any important enemy from being killed, était d'empêcher qu'un ennemi important ne soit tué et que ses aveux ne soient interrompus. And I did not know about the incident involving this individual from 152. J'ignore tout de l'incident concernant cette personne de la 152. Vous parlez des prisonniers importants qu'il fallait à tout prix empêcher de se suicider. Est-ce que c'est un souci que vous avez eu en ce qui concerne Khoitun? Is that a concern you had as regards Khoitun? Et est-ce qu'il y a des mesures particulières qui avaient été prises à cet égard? Were any specific steps taken in that regard? Khoitun was a special person. Khoitun était une personne spéciale. I was the one who was in charge of S21 and I personally interrogated him. Je l'ai mis au quatrième étage d'une maison, which was located to the south of Punyayat College. Situé au sud du lycée de Punyayat. And that was also part of the detention facility of S21. Qui faisait partie du centre de détention de S21. That rotten bed. Il s'asseyait et dormait sur ce lit en rotin. J'ai placé deux gardes pour le surveiller spécialement. I also placed a desk phone there. J'ai également mis un téléphone fixe. Sets at S21. One was with the hall. One was il y avait at my house trois récepteurs, and one was placed at un that, chez moi, special room, un placé dans cette salle spéciale et un détenu par Or. J'ai donné aux deux gardes pour instruction spéciale de ne pas le laisser se suicider. Lorsqu'il a donc déchiré des morceaux de papier, a cassé la chaise et a cassé ses lunettes, l'on m'a informé de l'incident. And I told the guard to just remains there and j'ai demandé aux gardes don't do anything, de rester sur place et de ne rien faire, so, que je m'y rendrai dans les 30 minutes qui suivraient. Lorsque je l'ai vu, j'ai tout simplement souri. Je pensais constamment au moyen de l'empêcher de se suicider. Khoitun was the only person that Khoitun I interrogated in my capacity était la seule personne que j'ai interrogée en ma qualité de chef. What needed in order to prevent his confession being et cut off. J'ai fait ce qu'il fallait pour empêcher que ses aveux ne soient interrompus.
Donc, si je comprends bien, il y avait deux gardes en permanence pour surveiller que Koytoun ne se suicide pas. Monitoring Koytoun to make sure he didn't commit suicide. Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire si par ailleurs, and if it is, Koytoun faisait l'objet, est-ce qu'il, on lui a mis des menottes ou des entraves Koytoun pour l'empêcher de se déplacer comme il voulait? And shackled to prevent him from hurting himself. The photo that I was given by Your Honor showed la photo that que vous m'avez remise. Maybe it was the co-prosecutor who showed me that photo. Peut-être c'était le coprocureur qui m'a plutôt remise. Was placed on a rotten bed. Sur cette photo, Koytoun était placé sur un lit en rotin. Was chained to the bed, and that avec les was chevilles also meant to prevent any suicide lit. Attempt. C'était là une mesure. And ils the two guns were de not suicide. Ordinary guns, they les were deux gardes n'étaient pas des gardiens ordinaires. That I placed them there. C'était des gardiens spéciaux qui avaient été placés par moi. Est-ce qu'il y avait des raisons particulières qui vous faisaient craindre un risque de suicide pour Koytoun? Why you feared that Koytoun risked committing suicide? Koytoun was a member of the Central Committee. Koytoun était un membre du comité and central. The first person of that capacity to arrive il était la première personne en cette qualité à arriver for à S21. That reason, it was imperative to keep him alive pour in order raison, to il était impératif obtain his de confession. Le maintenir en vie afin de recueillir ses aveux. To all kinds of measures in order to, et je devais to do that. Recourir à toutes les mesures qui s'avéraient nécessaires pour ce faire. C'était une propre initiative de votre part ou c'était des instructions que vous aviez reçues? An initiative on your part or you were acting on instructions you'd received? It was the principle not to allow a prisoner die, so the confession was cut off. De ne pas permettre however, au prisonnier regarding de mourir the lors posting of the special guards was my que, idea. De peur que l'interrogatoire ou que les aveux ne soient incomplets. Mais l'idée de placer les gardes venait de moi. Bien, j'aimerais maintenant qu'on vous remette deux autres documents. I would like it to be le document 23/10077 et le document E3/10087. L'ERN du premier document. The ERN of the first document. Et 01-01-29-91 pour le Khmer. That is for the Khmer. Et 01-24-59-74 en anglais. 74 donc in prenons English. Tout d'abord le document E3. Let us start with document E3/77. Est-ce que vous reconnaissez les écritures sur do you ce document? Recognize the annotations on that document? Je précise qu'il s'agit let me point out de, that d'un rapport this is concernant a report regarding prisonnier le 24 novembre 1977, qui étaient tous les deux membres de l'unité 13, c'est-à-dire une unité qui produisait du sucre de palme, à savoir Tao Sokun, alias Kun, ancien membre du régiment 152, et Vai, alias Bora, alias également Bora, ancien membre du régiment 152. Ex-member of regiment 152. Donc on a un rapport et on a so une note que l'on a vue, je crois, juste à l'écran qui était encadrée. A note et
Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les auteurs de ces annotations et de ce rapport? Who were the authors of the report and the annotations? Based on the content of this report, d'après the three who fled did not run from Phnom Penh. In fact, they ran away from the rice field. Se sont évadés des rizières et non pas de Phnom Penh. And for the detention at the rice field there, there were no proper fence, so they Il could actually flee. Clôture. Pour empêcher les prisonniers en détention à la rizière de s'évader. Le rapport a été fait à Or. Mentioned that according to the information from the staff, Sector 25 has arrested them. Et Or a indiqué sent que le secteur 25 les avait déjà arrêtés et qu'il avait déjà envoyé des hommes les récupérer, d'après les informations obtenues de l'état-major. Or avait donc envoyé des hommes pour récupérer ces prisonniers évadés. Bien. Passons maintenant à l'autre document. Let us look at the other document. Alors, les ERN, donc il s'agit du document E3-1-0087, ERN en Khmer 011-59-473, en anglais 012-45-975. Donc, est-ce que vous pouvez nous lire le titre de ce... La cote du document et l'URN, puisque les interprètes n'ont pas pu vous entendre. Alors, il s'agit du document E3-1-0087, ERN en Khmer, 011-59-473, en anglais, 012-459-75. Est-ce que vous pouvez nous lire le titre de cette Can liste. Can you please read out for us the title of that list? Akun nea to dal bompon bai. The title of the document is a list of prisoners to be liste des prisonniers devant être nourris. Says the judge. Voilà. En anglais, c'est un petit peu différent, puisque en anglais, on a It traduit ça par liste des prisonniers, list of prisoners to be fattened, devant être engraissés. Alors, est-ce que cette liste traduit le souci Now, qu'il y avait de maintenir en vie les prisonniers qui n'avaient pas encore fourni d'aveu complet? Est-ce qu'il s'agit de prisonniers qui souffraient de déficience alimentaire et qui devaient, de ce fait, avoir un régime, on va dire, amélioré? Properly fed so that their status would improve. Akun tam khom dang nea to ke tu tei ke kit pi aha. The prisoners would receive proper food regimes so that they prisonniers recevaient would not die des rations alimentaires suffisantes pour qu'elle ne meure pas, Kakum Hoot apparaît également sur cette liste. Was rather stubborn and he did not confess. For that reason, he had to be properly fed, raison pour laquelle il devait être correctement nourri pour être en bonne santé. Interrogation could resume.
et pour qu'on puisse poursuivre l'interrogatoire. Mais en pratique, je ne prenais pas de telles dispositions. Monsieur le témoin, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'il ait été nécessaire d'établir des listes particulières pour des prisonniers nécessitant d'être nourris. Est-ce que ce sont des prisonniers qui éventuellement auraient fait la grève de la faim, qui ont refusé de manger? Est-ce qu'il y a eu des cas de prisonniers refusant de manger et qu'on aurait voulu nourrir de force? Who had to be forcibly fed. Through my recollection at S21, there was no prisoner who went on a hunger strike in order to make a protest. Un prisonnier n'avait fait de grève de la faim en guise de protestation. Il n'y a jamais eu de tel cas. Il y a eu des prisonniers qui ont été interrogés and for that, et leur santé s'est dégradée. Would suspend and the person par la suite, properly fed. L'interrogatoire sometimes medicine devait was used to treat them so that they ces prisonniers devaient être nourris correctement. Parfois, ils devaient recevoir des soins, être traité pour que l'interrogatoire puisse reprendre. Alors, selon vous, quel était l'objectif de cette liste? Pourquoi une telle liste? Tous les prisonniers, a priori, vous nous dites, étaient correctement nourris. Quel est l'objectif? Quelle nécessité? This is the instruction from the person who was in charge of the guard unit. Il s'agissait des instructions du responsable de l'unité des gardiens. To those who provided food to the prisoners. Adressées à ceux their food regime was different from the ordinary prisoners. Le régime de ces prisonniers était différent des prisonniers ordinaires, so that these prisoners' raison pour laquelle cette liste a été établie. This is on my personal pour un rationnement adéquat de la nourriture. Je dois dire que je n'ai pas été impliquée dans cette pratique. Not allowing prisoners to die. Ceci était conforme au principe selon lequel il fallait maintenir les prisonniers en vie pour éviter que leurs aveux ne soient interrompus. Alors, il y a deux prisonniers particuliers qui apparaissent sur cette liste. Vous avez parlé tout à l'heure de Kay Kim Watt. Est-ce qu'il s'agit bien du même prisonnier qui, à titre de torture, a dû manger ses propres excréments? In the course of his torture, had to eat his own excrements. Yes, that was the prisoner that bit him and forced him to eat his own feces. Il a mangé deux cuillerées d'excréments. Et est-ce que vous pouvez lire le nom du prisonnier tout en bas de la liste, numéro 17? The name of the prisoner who is number 17 at the very bottom of the list. Il est décrit comme étant un leader. That prisoner is described as being a leader qui était ce from prisonnier Yun. Numéro 17. That is prisoner number 17. Who was that person? Akun. Number 17 names. Le numéro 17. Ciao. Chao Keo Chai, leader from June. I do not understand this, and I did not know anything about this individual. For that reason, I cannot provide you with any explanation whether this person was important or not. Je ne peux pas vous dire si cette personne était ou non importante.
Est-ce que parmi les noms des autres personnes figurant sur cette liste, vous pouvez nous dire si c'était des gens importants ou des gens ordinaires? Je vois quand même qu'il y a au numéro 4 quelqu'un qui est décrit comme étant le chef du secteur 4. Il y a des secrétaires de communes, secrétaires de district, secrétaires adjoints du secteur spécial de Cratier, secrétaires du régiment 124, secrétaire du district de Coclac, secrétaire adjoint du district de Moung, secrétaire du bataillon 802, secrétaire du district de Sriambol, secrétaire adjoint du secteur 24. Donc il semble quand même qu'il y ait parmi ces gens des gens qui occupaient des fonctions relativement importantes. Important positions. The status of the prisoners, whether they were important or not, was based on the situation at the time. À savoir leur qualité de personnalité importante ou non. Le secrétaire adjoint de la division 170, par exemple, était une personnalité importante. Et lorsqu'il a avalé une vis, j'ai demandé au personnel d'envoyer un médecin de P98 pour faire une opération chirurgicale afin d'enlever la vis. And deputy secretary of divisions was not that important. Le statut des secrétaires de commune ou de district ou leurs adjoints n'était pas tellement important. The focus was on those who were linked to the northwest zone, in particular those from sector 4. Les personnes du secteur 4 de la zone nord-ouest et des personnes associées à la zone nord-ouest. Reasons, the situation depended on the role of the persons who were arrested. La situation dépendait du rôle que jouait la personne arrêtée ou les fonctions qu'occupait la personne arrêtée. Bien, maintenant je voudrais aborder des documents un peu plus précis. I'd like to talk about more specific documents. Il s'agit de documents que l'on peut appeler documents that can des be listes to as de contrôle des effectifs de S21. Ce sont des listes quotidiennes qui étaient établies apparemment tous les jours. Et nous avons on a, daily a priori deux modèles and we have de listes two qui types figurent of au dossier. On record. Je vais vous faire remettre un premier modèle, le document E3-99/55. Pour remettre le document E3-99/55. La cote de ce document en Khmer est 01-01-21-43. En anglais, 012-49-682. Voilà, donc on a un tableau qui est relativement simple. Il est marqué en haut, en anglais, Daily Updated List of Prisoners. Liste quotidienne actualisée des prisonniers. On a la mention Office 21 non-pen. Et on a marqué ensuite on a différentes colonnes pour l'électricité, le commerce, base, les éléments internes, les fonctionnaires, officials, les soldats, les gens des usines, les bandits et les espions. Ça, c'est le premier tableau et on a une ligne en dessous avec marqué Daily Update, c'est-à-dire le nombre de prisonniers chaque jour correspondant à chacune de ces rubriques.
un peu plus loin, on a un autre tableau détaillant le nombre d'hommes, de femmes, de garçons, de filles, et un total. Et enfin, on a un tout dernier tableau qui indique le nombre de prisonniers entrants, le nombre de prisonniers relâchés et le nombre de prisonniers morts de maladie. Et on a en dessous une annotation concernant les prisonniers, la liste des prisonniers qui sont morts de maladie. Et un peu plus loin, il y a une autre rubrique qui est prévue pour établir la liste des prisonniers amenés le jour considéré. Donc ce document date du 8 janvier 1977. Il y a au dossier, je crois, 12 documents qui correspondent à ce modèle. Ce sont les documents qui figurent au dossier sous les numéros E3-99-55 à E3-99-67. Monsieur le témoin, avez-vous déjà vu ce type de document? Did you ever see these kinds of documents? Si oui, and if est-ce que vous donnez quelques explications? Can you provide us with some explanations on that? I don't recall whether I saw the list. Je ne me souviens pas avoir vu. During the proceedings cette in case liste, 001. Dans le cadre However, du dossier 001, this, mais je voudrais dire ce qui suit. Based on my observation, d'après ce que j'ai pu observer, this document is consistent with the real situation at office document reflète la situation 21. Réelle qui prévalait. Au centre S21. Handwriting was of or. L'écriture est de or. J'ai un problème parce que je n'ai pas de traduction dans le canal français. Je ne sais pas est-ce que les francophones entendent quelque chose. French channel. I don't know whether in Moi, je n'ai rien entendu. French speakers facing the same problem. I haven't heard anything said by the witness. English works. Alors peut-être faudrait-il changer ma. Perhaps I have to change my ESX. Voilà. Alors je suis désolé, mais je vous demande de répéter votre réponse parce que je ne l'ai pas entendu. May I request you to repeat your answer because I didn't hear it. Allow me to repeat my response again. Je vais vous redonner ma réponse. I don't recall about the list, whether je the list was shown de to me liste. During the proceedings in case 001. Je ne sais plus si elle m'a été soumise dans le procès 001. Je ne m'en souviens pas. The handwriting Toutefois, and the figure l'écriture belongs to Comrade Hall. Les biens du camarade Or, ainsi que les chiffres mentionnés. Pour ce qui est de Kemi, Kemi était l'un des prisonniers spéciaux envoyés à S21. So, I can say that the list belongs to S21. Je peux dire que cette liste est bien une liste de S21 et c'est une liste quotidienne actualisée. The three des prisonniers. Furthest columns to the right, that is les for the new coming prisoners, number of prisoners released, and number of prisoners died. À savoir les prisonniers, la colonne concernant les prisonniers entrants, les prisonniers libérés et les prisonniers décédés. Was an old form and correspondait Nat à l'ancien to use format this form, as he used to release prisoners. Nat utilisait ce modèle lorsqu'il fallait libérer les prisonniers. Sometimes arrested prisoners arbitrarily without Parfois, the knowledge of the party. For that reason, the word released is still used in the form. Du parti.
S21, personne n'avait jamais été libéré. And to my recollection, there were between 40 to 50 people that Nat arrested arbitrarily, 40 ou 50 without the knowledge de manière arbitraire, of the party, à l'insu du parti. And that was also mentioned in the notebook. Et cela a également été mentionné dans les carnets. So the amount, the number could be 40, 50 or 60. That's why the very least was used in that column. Ce chiffre and de prisonniers libérés s'élève à 40, de 40 à 60. Send some people from division 920 or division 290. I don't recall that clearly. And there were more than 200 of them who were sent to me. And they had to be smashed. Mais il y avait 200 personnes qui m'étaient envoyées et qui devaient être écrasées. A list that names of prisoners to be released. However, I comportant les noms de prisonniers made a correction that instead it should be list of prisoners to be en disant removed qu'on devait plutôt marquer liste des prisonniers retirés et non pas libérés. Because I do not use the word release as car once je n'utilisais used pas by a NAT. Le terme so libéré comme le faisait NAT. To be removed, les prisonniers devaient être and soit retirés, no soit écrasés. At il n'y a eu aucun prisonnier whoever libéré ou relâché à S21. Tous ceux qui arrivaient so à S21 devaient être écrasés. C'est ce que je peux dire en ce qui concerne la colonne nombre de prisonniers libérés ou relâchés. The remaining form, format cette used liste by NAT. Correspondant à l'ancien format utilisé par NAT. Je n'avais pas prévu ça, mais j'aimerais que vous remettiez un autre like document que j'ai en ma possession. Le document E3/9960. Parce qu'il semble qu'il y ait eu un changement de l'intitulé des colonnes. In, the titling of the different columns. So would it be possible to provide this document to the witness, please? Thank you. Voilà. Il semble qu'ultérieurement, it appears le mot that later on the word released disappeared from the titles of the different or from the headings. Le nombre de détenus and écrasés they indicated rather the number of prisoners de who had been smashed and the number of prisoners who died of illness. Is that is indeed what is what appears in the document that I had just provided to you? I apologize, but I don't believe that there is an English translation of this document. Monsieur le témoin, tout d'abord witness, sur la, la page que je vous ai indiquée. On the page that I pointed si out to you, can you tell us if the headings si, changed, au lieu de parler and de if instead of mentioning libérés, released prisoners, prisonniers exécutés, the headings mention executed prisoners, morts de maladie. And there is also another column for the prisoners who died of illness. I see this document, Your Honor. J'ai ce document, the document that sous you les have yeux. Just mentioned. I found it and I see it. Je l'ai retrouvé. I agree with you, Your Honor. Je in suis relation d'accord avec to vous, the Monsieur le juge. Format. The pour ce qui est du format. Colon, there is a colon. Il y a une colonne où l'on lit « mort de maladie » et une autre colonne smash. Où l'on lit « écrasé ». And let me make the point that on that day, the day that the list of prisoners le was drawn up, a été établie cette liste de prisonniers. There was one individual died from illness une personne and no morte newcomers de maladie at et il n'y a pas eu de nouveaux arrivants and à S21. There was another individual died because une autre of torture. Personne est morte suite à la torture subie. Je vous remercie. Fine. Je précise que nous avons
Est-ce que vous pouvez nous donner la date de cette liste parce que j'ai oublié date de noter. Of this list because I forgot Monsieur to jot it down. C'est vous qui avez mon document Witness, en votre you possession, have donc my document in your hands, so dire, I cannot read it any longer. So could you please provide me with the date of la date de cette liste. Of this list. Gal parichet ni banchi ni kyu thngai the date on this list is la date figurant sur cette liste est le 23 février 1977. Merci. Thank you. Je précise que nous avons au dossier I would like to specify that on the case file we have 12 documents that meet this format and these 12 documents, of course, correspond to different days during the period extending from 8 January 1977 to 29 March 1977. I counted pour cette période, il y a eu 201 prisonniers qui the number of prisoners, and it appears that during this period, 201 prisoniers entered S21 and 154 either died of illness or were executed. And the highest amount un effectif de is 1120 prisonniers 1,120 prisoners on 29 March 1977. And we can see this figure again in document E3/9966. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à une autre let's move on catégorie to another de liste category quotidienne of daily lists, de contrôle des prisonniers. Daily checklists of prisoners. C'est la liste, je crois, qui vous a déjà été this présentée is par is the list that was Monsieur already presented to you by the co-prosecutor, I believe. Je vais vous donner I'm going to give you un exemple. A copy of it. Est-ce qu'on peut remettre Can we please provide to the witness document E3/99970. Il s'agit du this document is, qui porte le RN 0101 document 22 with RN 0101-2237 in Khmer. Et, and il a été établi à la date It document du 8 mai was created on 8 May 1977. Ce document. Je précise qu'il y a au dossier I'd like to specify that on the case file, 72 documents, 72 documents qui correspondent à ce modèle. That are formatted in the same way. Et j'ai fait établir And, donc un tableau récapitulant I l'ensemble a des table documents correspondants all of the documents pour la période formatted allant in this way. For the period extending from 6 May 1977 to 31 December 1977. And in total, le total de ces documents représente en fait 70 jours sur une période qui, bien sûr, 70 days are covered. Il y a beaucoup de documents out of a period that's much longer. So, tout d'abord, Monsieur le témoin, witness, je crois que vous avez déjà vu ce type de document. I believe that you already have seen this kind of document. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Do you have any comments Est-ce que vous avez to make? Déjà vu ce have type you de already document? Seen this kind Est-ce of que document? Vous reconnaissez les signatures? Do you recognize the signatures? Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? And what can you tell us about all of this? Allow me to tell you about this document. When I was chief of S21, I chef de did S21, not pay attention on the list. Je n'ai pas fait attention. After I woke up, I would read the number, liste. The list of number of prisoners. Éveillé,
so that I could make annotations and report to the upper echelon. Pour faire des annotations et faire rapport à l'échelon supérieur. This document reflects the situation at S21 about the removal of prisoners and about how many prisoners remain on one particular day. Pour chaque and journée donnée. This document also tells who the origin of the prisoners fait également who were sent état into S21. De l'origine des prisonniers envoyés S21. And in relation to annotation below, pour ce qui est de l'annotation qu'on trouve en bas, 76 a été 75 was smashed and one on dit retiré, 75 anéanti et un autre est mort de maladie. And Kate Chow alias Sime, chief of office K1, du bureau K1, the guard unit, unité des gardiens. The condition of the disease, first he got pain in his chest. Sa maladie est décrite, d'abord douleur. He was fatigued and had difficulty in breathing. Difficulté respiratoire. And after 3 hours, the condition became après worse. 3 heures, son état s'est he aggravé. Was treated. Il a été soigné. For 1 hour, and pendant after that, heure, he died puis of illness. Il a succombé. And you could see the signature. Et on voit ici la signature. Was put on the document. So it is true that Kate Chow alias Sime was alias arrested. A été he was the chief of c'était le chef defense unit of the part de of Ankar. L'unité de défense. So let me emphasize that this is really the document of il S21. Il s'agit bel et bien d'un document de S21. President, it is now time for a break. Le moment est venu d'observer une pause, so the chamber will take Lavergne. A short break from now until 3 p.m. Court observer, please assist the witness during the veuillez break time in the waiting room. Témoin. And please invite veuillez him back into the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess. Suspension de l'audience.